Présentez-vous à guinematin.com. Je suis Sidi Kitouré, directeur de la cellule de communication du RPG Arc-en-Ciel. Alors, le RPG Arc-en-Ciel a démarré ce matin sa convention nationale. Et en tant que directeur de la cellule de communication du parti, quel sentiment vous anime Bon, sinon, un sentiment de fierté, connaissant l'histoire de notre parti, le RPG Arc-en-Ciel, qui a vécu d'abord dans la clandestinité, avant l'agrément des partis politiques en 1992, que depuis ce jour, jusqu'à nos jours, le RPG Arc-en-Ciel reste bien. À travers son leader charismatique, le président de la République. Donc aujourd'hui, si nous nous retrouvons encore une fois, et pour la énième fois, à une convention nationale organisée par ce parti, on ne peut qu'être fier et se réjouir de la longévité de ce grand parti. La convention prend officiellement fin demain. Quelles sont vos attentes? Bien entendu, les objectifs de la convention, c'est de décider ensemble et de façon unanime le choix du candidat du RPG Arc-en-Ciel au sein du Arc-en-Ciel. Donc nous estimons que les résolutions des différentes, d'animation, les différents travaux vont être présentés, vont très certainement nous sortir le choix que la base du parti a eu à faire et qui va être entériné demain sur la personne du président de la République. Oui, mais personnellement, quel est votre souhait? Personnellement, quel est votre souhait aujourd'hui? Votre souhait, c'est que c'est le chef de l'État. Mon souhait en tant que délégué, d'abord du Bureau national de la jeunesse, ensuite en tant que directeur responsable de la communication du parti, mon souhait est que tous les militants se rassemblent derrière le choix porté sur le professeur Alpha Condé par la base du parti et qu'il viendra être entériné dès demain matin par les militants du parti. Merci beaucoup. C'est mon souhait le plus ardent et nous souhaitons bonne chance et bonne journée de formation aux militaires et responsables. Merci.